Bonjour Hélène. Bah écoute, je suis ravie Bonjour Hélène. de te retrouver là. On vient juste de terminer le coaching, notre dernière séance du programme Identité gagnante. Donc, on a fait 6 séances de dépolarisation et puis je te propose un petit témoignage pour nous partager un petit peu le avant-après. Donc, Ça est-ce que marche. déjà tu peux te présenter Hélène et dire un petit peu qui tu es? Oui, tout à fait. Alors moi, je suis ingénieure, j'ai 28 ans et voilà, je suis un peu en... Il y avait beaucoup de choses, de changements que j'avais envie d'essayer de... Ouais, de mettre au clair sur la suite. Et donc voilà pourquoi je suis arrivée ici à l'académie. J'ai suivi ce programme. Et donc, qu'est-ce qui t'a Et en fait venir à l'académie, justement? Bah alors c'est vrai que bon, il se trouve que j'avais déjà entendu parler un petit peu de ce programme-là parce qu'en parallèle, bon, je suis ingénieure, mais je suis quand même une passionnée de trail et de tout ce qui est sport outdoor. Et j'avais déjà un peu entendu parler de ce programme. Tout ce qui est la préparation mentale, ça m'intéressait beaucoup. Et j'avais l'impression que bah, ça revenait dans beaucoup d'interviews, dans beaucoup de voilà, de partage, d'expériences, etc. Et que ça avait l'air de fonctionner, etc. Mais j'ai été curieuse, c'est tout. Et donc, voilà, je me suis un peu intéressée à l'académie. Et voilà, en fait, j'ai commencé le programme pour savoir un peu ce que ça donnait aussi sur moi. Et tu t'es lancée. Alors, comment Voilà. elle était la Hélène d'avant, avant de faire le programme? Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui. Eh ben, je dirais que c'était une Hélène qui savait qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, enfin, sur lesquelles elle avait envie de changer, mais sans trop savoir comment et pourquoi. Et que bon, alors, et que finalement, ça apporte une boussole. Le fait de passer par ce programme, ça permet de vraiment de mettre les mots, enfin, ouais, de pointer du doigt, de débloquer certaines choses qui, voilà, sur lesquels on sait qu'il y a quelque chose qui doit être changé, mais on n'a pas forcément les mots et les outils pour le faire. Du coup, ça t'a donné des clés au quotidien pour gérer un peu les Ouais. challenges que tu... Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Ça permet aussi de se donner une vision finalement aussi de soi, de ce qu'on a envie de devenir, de ce qu'on a envie d'être. Et ensuite, par ça, bah, c'est vraiment comme un chemin qu'on essaye de suivre et qu'on essaye, voilà, ça donne vraiment une orientation et de débloquer bah, au fur et à mesure, petit pas par petit pas, ce qui doit être débloqué et se donner un peu plus d'espace, de liberté au fur et à mesure. Et puis voilà, avancer tranquillement et avec une orientation qui est plus précise. Et comment tu te sens aujourd'hui, du coup? Ah, bah, c'est en évolution. Voilà, c'est le terme que j'utiliserai, en évolution. En perpétuelle évolution. En tout Voilà. cas, ce qui est chouette, c'est que la dépolarisation, ça nous donne vraiment un outil pour bah, reprendre les rênes et reprendre le Oui. pouvoir sur quand on a des oscillations émotionnelles, notamment pour Oui, reprendre le oui. pouvoir et. Ouais. Puis de comprendre aussi, des clés de surtout de compréhension. Et ça, c'est important même, je pense, enfin, pour l'humain et autres, de savoir un peu ce qui se joue en fait en lui, sans quelque chose qu'il peut percevoir, des impressions qu'il peut avoir et qu'il n'a pas forcément les outils ou les mots pour mettre des mots, enfin, pour agir dessus. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à faire le programme? Ah bah, allez-y, allez-y, faut tester. Il y a qu'un petit temps qu'on sait, hein. C'est clair. Bah, écoute, en tout cas, merci Hélène. J'étais ravie de t'accompagner pendant toutes ces séances. Et puis, bah, Merci. belle route à toi. Maintenant, tu as tous les outils Merci. pour Merci transformer tout ça. beaucoup. Et puis, bah, à très bientôt. Merci en tout cas pour ton témoignage. De rien, c'est avec plaisir.